yenangini tay ñulendi sargal yen yenangini taxaw ngir jariñ seeni rew yenangini tay ñulendi sargal yen yenangini taxaw ngir jariñ seeni rew. S'agissant de la formation, nous avons reçu une bonne formation dans l'ensemble. Donc, avec des professeurs qui se sont dévoués corps et âme donc pour nous fournir cette formation-là, mais également donc, qui ont toujours été à la hauteur, mais également à nos côtés, que ce soit en classe ou en dehors, ils ont toujours été accessibles. Donc, ce qui a pu nous permettre de réaliser nos études universitaires dans les meilleures conditions. Donc, nous les remercions chaleureusement donc, pour cet accompagnement. Parler de notre parcours, ça va être un peu compliqué parce qu'on a su faire beaucoup de choses. De 2017 à 2024, on a passé vraiment par des choses vraiment magnifiques. On a pleuré, on a ri, on a crié, on a laissé des gens derrière nous, mais alhamdoulilah, on est là. Je me rappelle de nos folies, comme par exemple les anniversaires qu'on a organisés d'une autre première année. On a vraiment, vraiment, vraiment marqué notre parcours. Mais ce parcours a été magnifique, comme je l'ai tantôt dit. Ça a été vraiment super. Mais ce qui m'a le plus marqué, ça a toujours été notre solidarité. Malgré le fait qu'on peut se chamailler, on peut être là à tirer à gauche et à droite, mais au final, le résultat, c'est le bien de tout le monde qu'on cherche. Je vais m'adresser à nos cadets, les jeunes, pour leur dire que la médecine n'est pas une chose facile. N'est pas une chose facile ne veut pas dire que c'est une chose qu'on ne peut pas réussir. Nous, on l'a fait jusqu'ici. Bientôt, nous serons des médecins, Inch'Allah. Vous êtes tous talentueux. Il faut une bonne organisation. Il faut la confiance en soi. Il faut la persévérance, il faut être endurant. Balolo waran wajur yangi to kilifa yi joge fune yene mom li. Donc cette année nous fêtons notre sortie de promo et j'aimerais remercier d'abord le Seigneur Tout-Puissant qui nous a permis de faire ce parcours là et remercier aussi nos parents qui ont toujours été là pour nous depuis notre naissance. Ils ont pris soin de nous. On n'a jamais manqué de rien. Grâce à eux, on est parvenu à faire ce parcours. J'aimerais également remercier toutes les personnes qui nous ont aidés durant cette formation, nos enseignants. Remercier également le personnel des hôpitaux qu'on a eu à faire, à savoir l'hôpital de Djourbel, les hôpitaux de Touba, Madlabul Fawzeni et l'hôpital Cheikhoul Khadim. Donc, nous remercions vraiment tout le monde pour leur aide qui nous ont vraiment donné pour qu'on puisse vraiment réussir cette formation. Donc... À l'entame de mes propos, d'abord, je vais parler des différents stages. Comme vous le savez, dans la formation médicale, à partir de la deuxième année de médecine, on est en fait censé faire des stages jusqu'à, je peux dire, la fin de notre formation. Donc, et je ne pourrais pas parler des stages sans pour autant remercier les différents acteurs qui nous ont accompagnés tout au long de ce périple que nous savons tous très très difficile. Je les remercie vraiment car ils n'ont ménagé aucun effort pour nous accompagner. On sait que c'est pas facile de pouvoir prendre soin de leurs patients mais également de nous former durant tout ce périple. Mais ils ont quand même su faire de leur mieux. Yambaro, Yambar, Yambaro. Donc ici à l'hôpital Cheikhoul Khadim, nous recevons les étudiants de l'université de Bambay dans le cadre d'une convention avec l'hôpital. Et depuis qu'on a commencé cela, on a vu vraiment des étudiants qui sont très engagés dans l'apprentissage, qui sont là à l'heure, qui se donnent à fond dans la prise en charge des malades, qui ont une curiosité,
qui posent les bonnes questions et qui font des recherches également et qui participent vraiment dans le cadre de la prise en charge. Et ceci donc témoigne d'une formation de base depuis la première année de médecine jusqu'en sixième année surtout, parce qu'ici on reçoit surtout des étudiants de sixième et de septième année. Et les suggestions peut-être qu'on donnerait seraient d'élargir cette collaboration aux étudiants en licence 3, en master 1, pour qu'on les reçoive ici dans cet hôpital, où on a vraiment des gens qui sont prêts à les encadrer, à les accompagner pour faire d'eux les meilleurs médecins du Sénégal. Tout d'abord, j'aimerais remercier au nom de cette promotion, professeur Lamine Gueye, qui a été le créateur de cette faculté de médecine, mais aussi remercier notre marraine, professeur Ndeye Coumba Touré Kane, notre parrain aussi, professeur Tandakhe Dieye, et nos ambassadeurs, professeur Adama Kane et Murtalaka, qui ont accepté avec humilité notre demande. Je ne pourrais pas terminer ce remerciement sans dénommer nos chers professeurs qui nous ont accompagnés durant tout le long de notre parcours. Je veux nommer professeur K et professeur Ndeye Fatou Ngom. Grâce à eux, cette formation a été une grande réussite et nous les remercions. Nous aimerions remercier aussi nos encadres au niveau de l'hôpital, Heinrich Louquet de Durvel, et docteur Ndiadé, docteur Sey, mais aussi Dr Maligué, qui nous ont accompagnés durant toute notre formation, et, mais aussi pour la réalisation de nos activités de la PROSMED. Merci à vous. À travers ma voix, la promotion de l'espoir, la promotion, on remercie notre papa plus que notre homonyme, notre professeur, notre bien-aimé, le professeur Lamine Gueye, le mérite neurologue qui a semé en nous l'amour de la médecine à travers ces petites filles, qui est venu jusque-là nous distiller nos premiers cours, nos premiers pas dans la médecine. Nous vous dirons jamais assez notre gratitude. Nous vous remercions et nous vous disons merci, merci, merci. Longue vie à toi. Nous remercions aussi nos chers parents qui nous ont soutenus depuis le début, depuis nos premiers pas, depuis le jardin jusqu'à l'université. Nous vous disons aussi merci papa, merci maman, merci à nos frères et sœurs qui nous soutiennent aussi tellement dans cet exercice difficile qui est la médecine, qui dure de longues années. Nous vous disons merci, merci, merci.